Bonjour. Pour acheter quelque chose, il faut voir avec Conrad. Je ne suis qu'une employée. Ça semble vous chagriner. Ça fait des années que ma famille vend notre récolte à Conrad. Quand on a tout perdu, il nous a dit qu'il nous prendrait chez lui. Mais plutôt que chez lui, il nous fait dormir dehors. Que pouvez-vous me dire à propos de Conrad ? Sa maison regorge de réserves, mais si c'est ce que vous cherchez, il ne partagera pas. Il n'a pas levé le petit doigt quand on nous a pris nos vaches pour les massacrer. Et pourtant, on le connaît depuis des années. Qui a pris vos vaches ? L'Inquisition, pardi. Ils ont dit que c'était pour nourrir le peuple, mais nous, qui nous nourrit ? Mais Conrad, pensez-vous ? Il a parlé à Carlos, et ses vaches à lui ont été épargnées. Que vous est-il arrivé ? Vous savez sûrement qu'il est arrivé des choses terribles sur l'île. Toutes ces ruines qui ont surgi de terre, certaines ont surgi au beau milieu de nos terres. Et l'Inquisition nous a ordonné de partir. Mais mes fils, ils sont toujours là-bas, quelque part. Ils ont tous fui de leur côté avant l'arrivée des monstres. Je me fais tellement de soucis pour eux que j'en dors plus. Vous avez des nouvelles de mes fils ? Pas la moindre. Si vous apprenez quoi que ce soit, ou rencontrez quelqu'un qui est sorti, n'oubliez pas de demander après eux. À combien estimez-vous cette information ? Je n'ai pas d'or, mais si jamais vous parvenez à quitter la ville... Oui ? J'ai mis un peu de côté au cas où. 2 ou 3 pots et des chandeliers en argent qui me viennent de mon arrière-grand-mère. J'ai tout enterré derrière la grange de notre ferme. Où est votre ferme ? C'est celle sur le chemin du monastère. C'est un guerrier de l'Inquisition nommé Séverin qui s'en occupe. Comment s'appellent vos fils ? L'aîné, c'est Beppo. Il n'a pas voulu venir en ville avec nous. Il a toujours filé un mauvais coton. J'ai peur qu'il ait rejoint les soudards du Don. William s'est porté volontaire dans l'armée de l'Inquisition. Quant à Léon, mon cadet, il a pris le large en pleine nuit. J'ouvrirai l'œil. Oh, merci. Merci 1000 fois. Vous faites pas trop d'illusions. J'ai vu votre fils aîné, Beppo. Il va bien ? Je me fais tant de soucis pour lui. Oui, il est en vie. Il a trouvé du travail dans les ruines. Mais n'est-ce pas terriblement dangereux ? Il n'est pas seul. Des guerriers solides sont à ses côtés. Votre mari ne peut rien faire ? Ingvar ? Nous vivons dans la misère et tout ce qu'il trouve à faire, c'est boire tout notre argent à la taverne. Si vous êtes là pour faire l'affaire, soyez le bienvenu. Quoi que vous vouliez, je vous le trouverai. Si vous êtes là pour jeter un coup d'œil ou pour demander l'aumône, fichez le camp tout de suite. J'ai pas de temps à perdre, moi. Alors vous refusez de laisser entrer Tilda ? C'est elle qui vous a dit ça. Cette vieille peau. Je lui donne le gîte et le couvert. Et tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre. Pourquoi ne la laissez-vous pas dormir à l'intérieur ? Ça vous regarde pas qui je laisse rentrer chez moi. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Ouais, un marchand banal, quoi. Ne restez pas planté là, faites quelque chose. Celui-là, il a l'air de jamais apparaître. Donc on a quand même 2 personnages là qui ont l'air d'avoir disparu. Hein. Allez, cette
fais encore le tour de la ville, hein, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres personnages avec qui on peut parler, tout ça. Halte là, personne ne passe. Quel est ce bâtiment? C'est notre caserne. C'est aussi le quartier général de Carlos, le commandant en charge de la ville. Comment avez-vous réussi à devenir un guerrier de l'ordre? Je me suis porté volontaire. Les bleus sont généralement envoyés dans les ruines après l'entraînement. Je préfère largement monter la garde en ville tous les jours de la semaine. À vrai dire, ils ont même essayé de faire de moi un mage. Un mage, vous vous rendez compte? Toutes ces histoires de magie, c'est contre nature. On reviendra à l'occasion. Bref, il fait nuit. Avec de la chance, peut-être que... Hey, mon mignon, ça te dit que je fasse de toi un homme? Quand t'auras goûté à la douceur de ma couche, tu verras plus la vie de la même manière. Et combien cela me coûtera-t-il? Oh, quand j'en aurai fini avec toi, t'auras qu'une envie, me couvrir d'or. Mais bon, disons que quelques pièces d'or suffiront pour commencer. Ça ne m'intéresse pas. Bon allez, ça fait combien de temps que t'as pas ressenti la chaleur d'un corps tout contre toi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans « ça ne m'intéresse pas »? Oh là là, c'est bon, j'ai compris. Tu peux pas me reprocher de tenter ma chance, hein? Hein? C'est sûr et certain, quelqu'un me l'a envoyé. Ah, j'imagine qu'on est censé chercher le gars qui fait ses affaires, etc. Et on tombe sur des gens qui nous empêchent de pouvoir le suivre correctement. C'est bien fait, on est tous condamnés. Ce truc a besoin d'être lavé. Il pue, pire qu'une fosse d'aisance en plein été. Silence! Réfléchis. Ah, mais il passe par les toits ou quoi? C'est pas vrai. J'ai deux personnages quand même qui sont portés disparus dans la nature, hein. Je veux pas dire, mais bon. Oh bon sang, qu'est-ce que vous me voulez? Vous m'avez suivi? Ça n'a pas été très dur. Hé, hey, toi! Oui, toi là-bas, l'espèce de chevelu! Je t'ai déjà vu traîner dans le coin, à te mêler de ce qui te regarde pas! Personne n'aime les fouilles merde! En général, ils disparaissent mystérieusement au détour d'une ruelle! Donnez-moi simplement les paquets que vous avez pris. Tu veux te battre ou quoi? Chiche. Très bien, tu me laisses pas le choix! Gary, occupe-toi de lui! Boucle-lui son clapet une fois pour toutes! Il est temps de vous donner une bonne pas leçon. Pas de pitié! Oui, c'est ça! Ça va du tout! Courage! Ma foi, ainsi va le monde. Il a son compte. Pas mal du tout! Ouh! Ça ne fait pas de bien. J'ai le cœur qui bat la chaîne. Maintenant, dites-moi ce que vous savez.
Écoute, j'avais aucune intention de marcher sur les plates-bandes du Don. Ça ne vous a pas empêché de voler sa sauge rêve. Vous n'avez pas fait dans le détail à ce niveau-là. C'était pas pour la revendre à Port Faranga. Où donc alors? Juste au monastère. Ils adorent la sauge rêve là-bas. Mais encore? Ils sont pleins aux as, ils croulent sous l'or, à force de farfouiller dans ces ruines. Qui d'autre est impliqué dans ce petit trafic de sauge rêve? Moi, c'est tout. Et vous imaginez que je vais vous croire? Crois ce que tu veux, j'en ai plus rien à faire. Allez raconter ça à quelqu'un d'autre. La vache, c'est qu'il est rapide quand même, notre apprenti là. Hé, hey, oh, reviens ici. Il est rapide, hein. Bien. Il est temps que vous disiez la vérité. Tout est de la faute de Cutter. C'est lui qui m'a forcé, c'est vrai, c'est lui. Il voulait que je lui mette un peu de songe rêve de côté, rien qu'un peu. Que vous a-t-il donné en échange? De la viande et de l'or. C'était pas grand-chose. Il m'en reste plus rien d'ailleurs. Je vous en prie, dites rien, Carlos. Je pourrais pas survivre au monastère. C'est pas fait pour moi, je suis allergique. Allez, fichez-moi le camp. Oh, merci. Bon bah on va dire qu'on s'est occupé du problème. Et on va profiter qu'il fasse nuit pour essayer de découvrir quoi du comment. Cutter est le complice de Gary. Cutter ? On le paie pour pouvoir travailler en paix et il nous vole. Ce scélérat trousserait un fangeur s'il y avait de l'or à la clé. Et la marchandise, il l'avait sur lui. Il nous faut cette marchandise. Voilà la livraison que vous attendiez. Bien joué, vous allez devenir riche. Dites-moi donc comment extorquer les marchands. Très bien. Il y a deux cibles de choix. Il y a Conrad, le négociant. Il achète au fermier et revend avec une marge confortable. Et il y a Alvaro, l'armurier. Vu que le seul forgeron de la ville travaille pour lui, c'est lui qui fixe le prix des armes. Comment collecter auprès de ces deux marchands? Il faut commencer par vous renseigner. Allez leur parler, il faudra peut-être leur acheter quelque chose. Il faut découvrir ce qui les préoccupe. Quels problèmes ils ont et quelles sont leurs faiblesses. Quand on connaît les faiblesses de quelqu'un, on peut les utiliser contre lui. Hein? Bon, maintenant qu'il fait nuit, allez vérifier un truc. Non, ce que j'ai vu, c'est ils avaient l'air de rester encore bien plantés sur leur truc. Et où est passé ce maudit col? Oui? Pouvez-vous me vendre une arme? J'aimerais bien, mais c'est impossible. C'est Alvaro qui en vend. Comment allez-vous? Débordé. Depuis que les lois de l'Inquisition sont passées, j'ai du travail jusque par-dessus la tête. Alvaro me laisse rarement le temps de boire une bière tranquille. Franchement, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai fermé l'œil. Vous vendez des soies de forge? Normalement, oui. Mais depuis cette histoire de ruine, j'ai plus le matériau nécessaire. Je peux peut-être vous aider. Peut-être. Si vous dénichez du minerai de fer, je peux en faire des soies d'épée. Pouvez-vous m'apprendre quelque chose? Ce serait avec plaisir, mais j'en ai pas le temps. Grâce à Alvaro. Parlez-moi un peu d'Alvaro. Désolé, j'ai pas le temps. J'ai du travail. Eh bien, faites une pause. Et qui fera mon travail? Vous? Je peux essayer. Voilà qui plairait à Alvaro. Que je fasse faire mon boulot par n'importe qui. Il apprécierait peut-être que son forgeron se repose un peu. Ce qu'Alvaro apprécie, c'est quand ses coffres regorgent d'or. Alvaro vous fait trimer comme un esclave, ma parole. Que voulez-vous? Tout le monde veut une arme dans cette ville. Et quand ils en ont déjà une, ils veulent l'affûter. Enfin, je finirai bien par terminer tout ça. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Peut-être. J'ai des problèmes d'approvisionnement. Il me manque toujours quelque chose. Je passe mon temps à récupérer tout ce que je peux trouver. Principalement de vieux métaux que je fonds pour faire des soies d'épée. Si j'avais un stock de métal de récupération, mon travail serait grandement facilité. Je vous trouverai du métal. Et il est interdit de quitter la ville. Je me débrouillerai.
parfait, bien entendu, vous serez payé. Mais il m'en faut des quantités, je vous le dis tout de suite. Où puis-je trouver du métal de récupération? Les fermiers ont abandonné pas mal de ferrailles sur leur terre. De vieux outils, des clous, un peu de tout. Et c'est sans compter sur les gnomes qui viennent fouiner dans le coin. Ils chapardent tout ce qu'ils trouvent. Pareil qu'ils ont aussi fauché tout le métal qu'ils ont pu trouver dans les fermes. Je vois. Où sont les vaches de Conrad? Il les garde dans un enclos, à la porte annexe de la ville. Elles sont sous la garde d'un fermier. Je connais pas son nom, mais il a pas l'air commode. Toutes les vaches appartiennent à Conrad, sauf mon Elsa. Jusqu'ici, au moins. Ils l'ont épargnée. Bon. On fait quand même des gens à devoir voir, vérifier de ses compagnies. Hein. Surtout vous demandez, mais pourquoi tu ne fais pas des actes de vol, Valmar? Parce que je suis tellement pas rassuré par mes compétences de vol. Je suis sûr que je vais me foirer. Non, pas question d'y aller sans armes. Vous avez sûrement affaire. Faut faire attention. Ils sont imprévisibles. Ils ont dit que c'était un verger. Il y a encore des gens qui croient à ces bêtises. Mais non, je peux pas lui parler de l'art. La bonne clé, pas question. Que me proposez-vous? Oubliez-moi une minute. Ok. J'en ai plus qu'assez de l'attendre. C'est sûrement fait dévorer. Cet endroit est dans un état. Ouais, donc en fait, tout ce qui me reste, c'est le port, là, parce que... Ah non, il y a aussi... Comment il s'appelle? Il y a une yard, là, pour... Si on existe encore. Votre femme s'inquiète au sujet de vos fils. Tilda? Elle s'inquiète pour un rien. Faut pas s'étonner qu'ils aient fichu le camp. Ils avaient besoin d'air. Allons voir le fermier, là. Je lui demandais... Hé, mon pote! On discute ou bien? Pareil avec Alvaro, et après quoi on s'arrêtera là. Parce que très sincèrement, après sinon on tourne en rond. Et je crois qu'il y a un cheat qui me permettrait de me rendre invisible, donc ça, ce serait bien pour réussir à faire justement nos activités, là. En tout cas, ça m'arrangerait. Ouais, parce que je suis vraiment pas rassuré quant à mes méthodes de vol, je suis vraiment rouillé, je crois. Votre travail est donc de garder les vaches? Oui, mais aussi de les nourrir et de les traire. Ça, c'est Bertha, la meilleure vache qu'on ait ici. Hein, ma belle? C'est une sacrée laitière, la meilleure de l'île. Une vache de toute beauté. Pas étonnant que Conrad veuille que je prenne soin d'elle. Vous semblez très fier.
Voilà, donc après il faut parler à Conrad. Je vais quand même essayer de trouver ce fameux col. Je suis pratiquement sûr qu'en fait il est à l'étage. Attendez que ça, il peut pas être à l'intérieur que je sache. Hein ? Voilà, c'est juste un entrepôt. On est d'accord. On est d'accord. Alors, il peut être que là-haut. Non plus. Arnaud, le fermier, a besoin d'un lit propre pour sa femme souffrante, Martha. Tous deux vivent dans la rue. Je sais, leur situation laisse à désirer. Nous avons désespérément besoin d'un lieu où prendre soin des cas les plus critiques. Si seulement je savais où loger la femme d'Arnaud, pourriez-vous lui trouver un toit ? Costa pourrait peut-être les héberger ? Je lui demanderai. Alors, on va donner meilleur pour eux parce que... Oh. Non, non, ce fameux col, mais il a l'air d'avoir disparu de la circulation. Je suis désolé, mais... qui se cache dans une des baraques, mais ça m'étonnerait, quoi. Ce qui va se passer de toute façon, c'est que je vais essayer de voir si dans mon ancienne aventure je sais où est-ce qu'il est. À ce moment-là, bon, ben, j'irai lui parler. Sinon, bon bah ben, voilà quoi. Ah oui, c'est vrai, il me faut les poux. Est-ce que j'ai les poux au moins? J'ai les peaux de loup, mais il me manque encore deux peaux de sanglier. Conrad fait garder quelques vaches à lui près de la porte annexe de la ville. Bon à savoir. Et ? Conrad a une vache d'exception, Bertha. Vous pensez la même chose que moi ? J'en doute. Je suis sûr que Bertha pourrait lui manquer. Et qu'une Bertha morte lui rappellerait qu'il est lui-même mortel. Il faut donc que je tue cette vache. Tout juste. Coupez-lui la tête. Et portez-la à Conrad. C'est pas un peu exagéré ? Nous devons attirer son attention. Apportez le crâne chez lui et mettez-le dans son lit. Ensuite, revenez me voir. Mais si vous vous faites prendre, tant pis pour vous. On se fera prendre quoi qu'il arrive. Enfin, non, j'ai compris, il faut attendre la nuit, mais... Quoi ? Votre forgeron est vraiment un bon élément. Plus on travaille, plus les bourses se remplissent. Mais par ici, nous sommes pratiquement les seuls à garder la tête hors de l'eau. Il faut en profiter tant que ça dure. Fort bien. Mais à ce rythme, je ne donne pas cher de sa peau. Walter, il est fort comme un ogre. Même les ogres ont besoin de repos. Qu'est-ce que vous croyez ? Je ne suis pas un tyran, mais la priorité, c'est le travail. Je peux prendre la relève de Walter. Ça ira. Je connais bien Walter, et le gros du travail est déjà terminé. Par contre, si vous pouviez trouver quelqu'un pour affûter les lames et couper un peu de bois, je ne dis pas non. Que vous faut-il ? Il y a deux manœuvres dans le quartier marchand. Trouvez-les, et payez-les pour qu'ils travaillent pour moi. Ça devrait soulager Walter. Voici une bourse pleine d'or pour les payer. Si elle ne leur parvient pas, je le saurai. Port Faranga est une petite ville, et ses portes sont scellées. Ça veut dire que Walter va avoir droit à un peu de repos ? Tout juste. Dès qu'il aura terminé l'arme de Marcello. Quoi ?
Hey, vous, vous cherchez du travail ? Peut-être. De quoi s'agit-il ? Alvaro a besoin qu'on lui coupe du bois. Bon, très bien. Je m'y mets. Bon, j'en ai trouvé un. J'ai qu'à trouver le deuxième. On doit savoir où est-ce qu'il est. Hé, hey, j'ai du travail pour vous. Quoi ? Alvaro a du travail pour vous. C'est le vieux qui vous envoie, que veut-il ? Il y a des tas de lames à affûter. Ça me va. Les manœuvres que vous avez demandées se sont mises au travail. Excellent ! Vous avez gagné ma confiance. Gardez le reste de l'or. Trop généreux. Je veux, oui. Si vous en voulez davantage, allez fouiner du côté de Maître Bellechevure, dans les tréfonds. Bonne nouvelle. Alvaro a dit que vous pouviez prendre quelques jours de congé. Ça me surprend de sa part. Il vous faut juste terminer le bâton à lame de Marcelo. Ah, parfait. Il est déjà fini. Je l'ai rangé dans la cave. Eh ben merci à vous, l'ami. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Je m'en charge. Merci. C'était formidable. Ah, il faut serrer les coudes. J'ai besoin de votre aide. Que se passe-t-il ? Au sujet du bâton à lame de Marcelo. Celui que j'ai forgé ? Oui, qu'en est-il ? Alvaro souhaite s'en servir pour se faire un ami important au sein de l'Ordre. Que pouvez-vous m'enseigner ? Si vous avez l'expérience requise, l'ami, je peux vous enseigner l'artisanat. Vous vous occupez aussi des artefacts ? Écoutez, l'ami, si vous trouvez quelque chose, il faut le signaler tout de suite. Vraiment ? Vous savez ce que l'ordre réserve à ceux qui gardent un artefact. Ils sont enrôlés de force et hop, direct au monastère. Ça me fait pas peur. Mais il s'agit pas que de vous. Je serai dans le même bateau. Et ça, c'est hors de question. Je ne suis qu'un simple forgeron. Ce bâton est certainement sous clé. Ma foi, effectivement. Mais... La serrure de la cave est toute rouillée. On pourrait la crocheter avec un bout de fil de fer. Et Alvaro garde la clé de son coffre à sa ceinture. Mais il y a un problème. Ah. Alvaro, parfois la nuit, il rôde dans la maison. Si jamais quelqu'un se faisait pincer, il y aurait du vilain. Comment infiltrer la cave ? Il faudrait être très silencieux. Et si jamais Alvaro est réveillé, attendre qu'il s'éloigne. Eh ben, on va rapporter toutes ces informations. J'ai découvert qu'Alvaro a un bâton à lame dans sa cave. Un bâton que son client attend avec impatience. Voilà l'occasion rêvée. J'imagine que Cid et Delgado vous ont appris les ficelles de l'emprunt à long terme. Eh bien. Sinon, il est encore temps de vous y mettre. Demandez leur conseil. Et que devrais-je faire du bâton ? Vous le lui rendrez comme le ferait tout être civilisé. En touchant la récompense méritée, bien sûr. Et Alvaro va jouer le jeu sans barguigner. C'est un négociant. Si vous n'êtes pas trop gourmand, il mettra la main à la poche. Évidemment, tout ça se fera de nuit. Sinon, on peut pas... Alors, hein. Bon, écoutez, je pense que là, je me suis fait une très bonne session d'enregistrement. Et en plus, tout ce que je dois faire maintenant, c'est de l'infiltration pure, donc écoutez... À un moment donné, moi je veux bien, je veux bien, mais... Ils sont sortis du sol, comme ça. C'était pas humain. J'avais vraiment réfléchi au bout. Faut savoir prendre des risques. Comment voulez-vous faire ? Vous avez trouvé les objets, là, qu'on m'a donné, là, les cuirasses. Tout le monde ment. Selon moi, c'est un type...